With the help of a DNA test, a mother and daughter just met for the first time after nearly 70 years. Salut tout le monde! Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés et je voudrais remercier tout le monde pour les retours positifs sous mes vidéos. La team Dakota s'agrandit et ça, c'est vraiment cool. Je prends beaucoup de plaisir à vous partager toutes ces histoires. J'en profite pour vous présenter deux chaînes qui pourraient vous intéresser. La chaîne Elgill, qui est consacrée aux faits mystérieux de notre monde. Il partage des histoires paranormales, des faits divers, étranges, et également des disparitions assez mystérieuses. Et il fait aussi des lives. La chaîne Amenthi, ne nous oubliez pas, relate des affaires de disparus français. Ce sont des histoires récentes ou anciennes qui n'ont pas été encore résolues. Et Amenthi fait régulièrement des mises à jour quand il y a du nouveau. Ce sont deux chaînes différentes de la mienne, mais complémentaires avec des histoires très intéressantes. Les liens seront en barre d'infos. En ce qui nous concerne, on commence. Celle d'aujourd'hui prend lieu et place aux États-Unis. C'est une mère et sa fille, séparées de force, qui vont se retrouver après plus de 60 ans. Je vous laisse vous installer tranquillement et c'est parti! Geneviève Purinton vit en Amérique à Gary, une ville de l'Indiana au sud-est de Chicago. C'est une ville de 75 000 habitants située dans le comté de Lake en bordure du célèbre lac Michigan. Geneviève est âgée de 18 ans, nous sommes en 1949. Donc nous sommes tout juste quelques temps après la fin de la Première Guerre mondiale. Elle va à l'école, comme toutes les jeunes filles de son âge, mais cette année-là, un événement va bouleverser tout le reste de sa vie. Geneviève tombera enceinte d'un homme marié. Elle continuera ses cours, mais quittera le lycée dès que sa grossesse commencera à devenir visible. Elle accouchera seule dans un hôpital catholique, le St. Mary's Mercy Hospital, qui est situé dans la ville de Gary. Au jour d'aujourd'hui, cet hôpital n'existe plus, il a été fermé et complètement laissé à l'abandon. Je précise que sa fermeture n'a aucun rapport avec les faits que je vais vous présenter maintenant. Geneviève donnera donc naissance à une petite fille et le jour de l'accouchement, elle recevra son diplôme de fin d'année par courrier. Juste après son accouchement, Geneviève demandera à voir son enfant et à le tenir dans ses bras. Mais les médecins de l'hôpital lui répondront que sa fille n'a pas survécu à l'accouchement et qu'elle est décédée. Geneviève sera dévastée par la tragique nouvelle et elle grandira et construira sa vie avec ce deuil. Elle n'aura jamais d'autres enfants, car tristement, elle sera atteinte d'un cancer du col de l'utérus des années plus tard. Elle sera opérée d'une tumeur et on lui retirera l'utérus. Cet enfant était le seul que Geneviève n'ait jamais eu. Elle n'aura donc pas de petits-enfants non plus. Arrivée à l'âge de la retraite, elle décidera de s'installer dans une maison de retraite en Floride à Tampa. Elle vit maintenant seule depuis quelques années, puisque tous ses frères et sœurs sont décédés. Au vu du titre, et comme vous savez que je ne partage que des histoires qui finissent bien, je ne vous spoil pas en vous disant maintenant que la fille de Geneviève, à qui on a fait croire qu'elle était morte, est en fait bel et bien en vie. Donc il faut se remettre dans le contexte de l'époque pour comprendre. Dans les années 40, inutile de vous dire que tomber enceinte à l'âge de 18 ans était très mal vu. Alors en plus, sans être mariée, et en plus d'un homme déjà marié, Geneviève avait très peu de chances de garder sa fille. Sa fille, qui s'appelle aujourd'hui Connie Maltroup, a été placée à l'adoption. C'était une pratique assez courante à l'époque, dans les années 1940 jusqu'à 1980, que de contraindre des mères célibataires aux États-Unis d'abandonner leurs enfants. Elles étaient manipulées, bien souvent par leur famille, les prêtres, ou encore par les assistants sociaux ou le personnel médical. Alors j'ai retrouvé des articles qui expliquaient que c'était également le cas à cette même période dans des pays comme l'Australie, l'Irlande ou encore l'Espagne. J'ai vu que par exemple en Irlande, à cette époque, de nombreux refuges pour mères célibataires avaient été créés et on les envoyait là-bas avec leurs bébés. Ces refuges étaient gérés par les ordres religieux et financés par le gouvernement irlandais. Pour la plupart, c'était des mères célibataires qui étaient tombées enceintes hors mariage. On s'aperçut, mais un peu trop tard, que le taux de mortalité infantile dans ces refuges était très élevé, que les femmes étaient très mal considérées et étaient également maltraitées. Jusqu'en 1953, l'adoption n'était pas légale en Irlande. En Espagne, on parle de dizaines de milliers d'enfants volés, voire plus, et la majorité étaient des enfants volés à des jeunes filles célibataires et également issues de familles pauvres. Les enfants étaient ensuite revendus à des familles qui ne pouvaient pas avoir d'enfants, et on leur faisait croire, là aussi, que leurs enfants étaient morts. Et pour l'Australie, j'ai retrouvé que c'était également un système d'adoption forcée qui était mis en place par les institutions religieuses et bien souvent, dans de nombreux cas, la signature des mères sur les papiers d'adoption était obtenue de façon détournée. On obtenait leur signature en leur faisant croire qu'elles signaient d'autres documents. Voilà, donc je trouvais qu'il était important de préciser le contexte de l'époque, à savoir que c'était des pratiques malheureusement qui se faisaient et pas uniquement aux États-Unis. En ce qui concerne Geneviève, je n'ai pas retrouvé plus de précisions, à savoir si les parents étaient au courant. Au vu de son jeune âge, j'aurais tendance à penser que oui, malheureusement. Toujours est-il que sa fille est bien vivante. Connie a été placée à l'adoption et c'est une famille californienne qui l'adoptera et l'élèvera. Malheureusement, sa mère adoptive décédera d'un cancer quand Connie était âgée de seulement 5 ans. Son père adoptif refera sa vie et se mariera à nouveau avec une nouvelle femme. Connie expliquera plus tard que sa belle-mère adoptive la maltraitait. Connie grandira, fondera une famille à son tour en se mariant et elle donnera naissance à une fille à qui elle donnera le prénom de Bonnie. Alors pour la suite, j'espère que vous allez suivre puisqu'il y a donc Connie, la fille de Geneviève, et Bonnie, la fille de Connie. Les parents adoptifs de Connie ne lui ont jamais caché son adoption et lui ont même expliqué comment tout ça s'était passé. C'était le médecin de l'hôpital qui avait organisé l'adoption. Les parents adoptifs se sont rendus à l'hôpital et sont repartis avec Connie. Voilà, tout simplement. Connie a toujours voulu retrouver sa mère biologique. Elle avait donc entrepris des recherches de son côté et avait réclamé au tribunal pour enfants du comté de Los Angeles les documents de son adoption. Cela confirmera la version de ses parents adoptifs et elle constatera que la signature de sa mère biologique se trouve bien sur les papiers d'adoption. C'est également sur ces documents qu'elle découvrira le nom et le prénom de sa mère, Geneviève Purinton. Mais il faudra attendre l'année 2017 pour que l'histoire prenne un tournant incroyable, c'est-à-dire 68 ans plus tard. Connie a maintenant 69 ans. Bonnie, la fille de Connie, savait que sa mère rêvait de retrouver ses origines biologiques. Alors, elle eut la merveilleuse idée de lui offrir pour Noël un cadeau très original, mais déterminant pour la suite, un cadeau qui allait tout bouleverser. Elle va lui offrir un test ADN. C'est la société DNAAncestry.com qui s'occupe de traiter des tests ADN, qui analysera l'identité génétique de Connie. Elle la comparera avec celle de 10 millions d'autres personnes qui avaient elles aussi, comme Connie, utilisé cette société. Connie recevra les résultats quelques mois plus tard et, surprise, elle retrouvera une cousine éloignée. Bien évidemment, elle la contactera et lui demandera des informations sur la généalogie de leur famille. Comme elle connaissait le nom et le prénom de sa mère biologique, elle les donnera à sa cousine qui tout de suite s'exclamera « Mais c'est ma tante et elle est toujours vivante. » Connie apprendra que sa mère, Geneviève Purinton, est toujours en vie et qu'elle est âgée maintenant de 88 ans. Elle est sous le choc, complètement bouleversée, elle a du mal à y croire. Elle décide alors d'envoyer une carte à Geneviève qui réside dans la maison de retraite à Tampa. Elle y inscrit dessus ses coordonnées, son adresse, son numéro de téléphone. Et enfin, après toutes ces années, c'est en septembre 2018 qu'elle reçoit un coup de téléphone. Le coup de téléphone tant espéré. Au bout du fil, c'est Geneviève qui dira « Je crois que je suis ta mère ». Les retrouvailles auront lieu à la maison de retraite, donc à Tampa, en Floride. Connie vivait à 320 km de là. Ce fut un jour très bouleversant pour toutes les deux. Les journalistes étaient présents et ont filmé les retrouvailles. Il y a eu une connexion instantanée entre la mère et sa fille. Elles ont éclaté en sanglots, elles sont tombées dans les bras l'une de l'autre. Geneviève pensait que sa fille était décédée à la naissance. L'émotion est immense. Elle expliquera qu'elle n'avait jamais pensé à demander de certificat de décès, et vu son jeune âge à l'époque, c'est tout à fait compréhensible. Et elle dira également que pour la signature des papiers d'adoption, elle ne savait pas du tout ce qu'elle avait signé. Elles se découvriront des passions communes comme la cuisine et le crochet. Et ce qui est magnifique et très touchant dans cette histoire, c'est que Geneviève, qui pensait être seule, sans famille, venait donc de retrouver sa fille, mais également une petite fille, puisque Connie avait sa fille Bonnie. Mais pas seulement, Geneviève venait également d'apprendre qu'elle avait aussi deux arrière-petits-enfants. Quant à Connie, elle découvrira par la suite de son côté qu'elle avait deux demi-sœurs de son père biologique. Donc voilà, c'est ici que s'arrête cette merveilleuse histoire. Je l'ai vraiment trouvée bouleversante et très émouvante, surtout quand on prend connaissance du contexte de l'époque. Quand je l'ai découverte, j'ai tout de suite pris grand plaisir à lire les articles et à entrer dans l'histoire au fur et à mesure. Geneviève et Connie ont été séparées dès la naissance, mais se seront retrouvées 69 ans après. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir que moi avec cette histoire. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, je réponds à tous les commentaires. Merci pour ceux qui seront restés jusqu'au bout de la vidéo. Je travaille sur la prochaine qui sera cette fois-ci un peu différente des précédentes. Cela parle d'une histoire d'un groupe de personnes qui ont été accusées à tort, et qui ont dû se battre durant des années pour être innocentés par la justice. Si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir et m'encourager. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine histoire. D'ici là, prenez soin de vous. Salut!